Alors que certains fans sont persuadés que Kate Middleton a été remplacée par une doublure dans sa dernière vidéo tournée avec le prince William, Heidi Hagan, sosie professionnelle de la princesse de Galles, est sortie du silence dans les colonnes du magazine TMZ. Depuis le premier jour de sa relation avec le prince William, rencontrée sur les bancs de l'université de St Andrews, Kate Middleton est scrutée par le monde entier. Il faut dire que sauf imprévu majeur, elle deviendra un jour reine consort de l'Angleterre. Mais depuis que la princesse de Galles, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 17 janvier pour une opération au niveau de l'abdomen, elle fait l'objet d'une attention toute particulière. Souhaitant conserver le plus de normalité possible pour ses trois enfants George, Charlotte et Louis, la belle-sœur de Meghan Markle refuse d'en dire plus sur son état de santé et se tient à l'abri des regards au moins jusqu'aux fêtes de Pâques. Une discrétion inhabituelle, qui n'a fait que renforcer les suspicions autour de son état de santé. C'était sans compter sur une photo retouchée par ses soins et publiée sur les réseaux sociaux, qui n'a fait qu'alimenter davantage les rumeurs. L'épouse du prince William aurait-elle quelque chose à cacher? Elle est bien apparue quelques jours plus tard, souriante, au bras de son mari, mais là encore, certains fans pensent qu'il s'agit d'une fraude. Certains vont jusqu'à affirmer qu'elle aurait été remplacée par une doublure sur ses images tournées dans la boutique d'une ferme locale à Windsor, le 16 mars dernier. Le sosie le plus célèbre de Kate Middleton sort du silence. Alors que les rumeurs s'intensifient, Heidi Hagan, connue pour être le sosie de Kate Middleton, a démenti s'être fait passer pour elle dans la vidéo en question. Dans les colonnes du magazine TMZ, celle qui s'est auto-proclamée sosie le plus réaliste de Kate Middleton au Royaume-Uni s'est montrée formelle. Ça a été une journée folle parce que les gens pensent que c'est moi. J'ai fait beaucoup d'interviews mais j'ai un alibi. J'étais au travail. Ce n'était pas moi. En ce qui la concerne, Heidi Hagan est d'ailleurs persuadée que la vidéo n'a pas été truquée. Je crois que c'est elle à 100%, a martelé l'intéressé, qui n'adhère visiblement pas aux théories du complot qui pullulent sur la toile. Point positif pour elle en revanche, ses activités sont en plein essor depuis l'hospitalisation de Kate Middleton, elle qui dit avoir reçu beaucoup plus de demandes. Sûrement parce qu'elle est absente depuis si longtemps. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise.